Saigon. Ces jolies filles. Sa circulation intense. J'ai l'heure d'aller manger. Il faut que je trouve un petit resto. Et ensuite, je vais au dodo. Le boxon de Saigon. Mais ça s'arrange. Ça s'arrange par rapport à quelques années avant. C'est toujours aussi populeux, mais il y a toujours autant de monde. Mais par contre, il y a des feux rouges mieux organisés. Il y a de plus en plus de gens qui les respectent. À peu près. L'objectif de ce soir, là, de maintenant, c'est de me trouver un endroit où manger. J'aimerais bien manger quelque chose de bien bon vietnamien. Là, je sais que je suis dans une rue qui, si je continue, devient une rue de resto, de bar. Mais là, je suis à 200-300 mètres de mon hôtel seulement. Et apparemment, il y a déjà une petite ruelle comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Il va falloir que je traverse. Alors on va le tenter à la vietnamienne. Eye contact. Ah, on a traversé, c'est déjà ça. Attends, voyons voir. Apparemment, il y a des vieux habitués, là, on va leur demander ce qu'ils pensent de leur restaurant. Hello, sir. Are you used to come here? Do you used to come to this restaurant? Yeah. How is the food here? Is it okay? Okay, yeah. Yeah? It's as good as anywhere. As good as anywhere. Yeah. And that's not a sign of good thing. It's pretty ordinary, yes. Everywhere is ordinary. It's Western food, right? Or... Okay, well, okay. They were all much. Am I right in thinking if I go further in this direction, I come to a bar street, right? If I go further to this direction, it's a bar street, is that correct? Yeah. 50 yards further on. Yeah. But if you want a really good meal, a big meal, you go out of the park in the next street, number 152. Cross the park and next to it? Next street, number 152. 152. German restaurant. German restaurant. And very, very good. Well, I'm in Vietnam, I'd rather try something sick. Vietnamese. Thank you very much for your advice. Thank you. I'm not a problem.
Italian Western food. It's not so much what I want to eat. Donc d'après ce que les deux anciens m'ont dit là, c'est que si je traverse le parc là et que je vais à un certain numéro, il y a un restaurant allemand qui sert des bonnes plâtrées. Je ne sais pas ce dont j'ai envie. Donc on va s'aventurer un peu plus. S'aventurer. On va marcher un peu plus, c'est pas tant l'aventure que ça. Alors cette vidéo, c'est spécialement pour toi Mimi, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait des vidéos. Pour te montrer un peu Saigon, je suis arrivé cet après-midi. Pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose, j'étais juste à l'hôtel à répondre à mes emails, etc. Et là maintenant, j'ai un peu de temps libre. Alors je commence à filmer pour toi. Hop, c'est très pressé. Je ne sais pas vraiment si je suis dans la bonne direction. J'espère que la vidéo peut te faire ressentir un peu l'ambiance très énergique qu'il y a dans cette ville. Ça bouge de partout, de devant, de derrière, sur les côtés. Il y a des choses qui se passent. C'est plus international évidemment que Zhaoqing. Salon de massage. Japanese BBQ. Barbecue japonais. Ça pourrait me tenter ça par exemple. Même si là, seafood, pasta, vietnamese, vegetarian food. Une belle déco. Ah tiens, c'est là d'où ils viennent. C'est ça la street bar. Enfin, la rue de restaurants et de bars. On va marcher un peu dedans déjà. Découvrir un peu. Alors local, il est 5h20, 5h20 de l'après-midi, la nuit commence à tomber. Et c'est vrai qu'apparemment, une fois la nuit tombée, il doit y avoir de l'ambiance ici.
Ça doit être une rue avec un peu d'ambiance. Faudrait pas que j'y reste trop longtemps. Je risquerais de finir un peu ambiancé. Merci, je ne veux pas de massage. Bon, en fait, pour manger, je suis pas dans la... Pour manger, je suis pas dans la meilleure rue, je suis plus dans une rue pour boire. Il va falloir que je m'en aille d'ici et que je revienne demain soir. Jouer les vieilles musiques des années 70-80 là. C'est énervant, que ce soit en Thaïlande ou ici. Oui. Oh, thank you. Thank you. Where you belong? Ça serait bien quand même qu'on ait des rues comme ça en Europe de temps en temps. Des rues qui sont ouvertes, qui bougent. Peut-être y revenir demain soir, ça dépendra de si j'arrive à... Bref, ça dépendra, on verra demain soir. Pour l'instant, l'objectif, c'est de manger, de rentrer
me coucher parce que je me suis levé très très tôt. J'ai pas envie de traîner. Retour en direction du parc. On va voir. Le truc c'est bien de faire plus de bruit qu'il n'y en a déjà. Is it cool? Petite ruelle comme je les aime bien là. Est-ce que cette ruelle est une impasse ou est-ce que je vais pouvoir en sortir ? Ce n'est pas une impasse. Retour dans le tumulte. Une dame qui, comme en Chine, récupère tout ce qui est recyclable pour s'en faire de l'argent, ce qui est très très louable. Alors tout ça, n'oublie pas où est-ce que je vais manger. Adjacent à la ruelle de bar, de restaurant, enfin de bar plutôt. Et cette rue est très tumultueuse, il y a un parc. Et comme dans tous les parcs en Asie, probablement pas qu'en Asie d'ailleurs, il y a des gens qui font du sport.
Oh, ça joue sérieusement là. La jeune fille, elle est en 1 contre 2. Elle rigole pas. Apparemment, le but du jeu, c'est de renvoyer la balle. Enfin, la balle. Si, c'est une balle, mais c'est un truc assez dur. Apparemment, c'est pas un truc qui rebondit beaucoup. Sans qu'elle ait le temps de toucher le sol. La tête. Ah, il a perdu, lui. Hi, good evening. How are you? I'm fine, how are you? I'm okay. Where are you from? I live in China. Oh, you live in China? Yes. Originally from where? Originally half French, half German. Half French, half German. And that's you? Cool. I'm Nigerian. Nigerian. Yeah. Nice to meet you, sir. Yeah. Sorry, I'm making a video. It's okay, no problem. Are you here traveling or living here? I'm living here. How long have you been living here? Almost 8 years now. Eight more. Years? Yeah, oh. Yeah. And what's your occupation? My occupation is trade. Ah, good. Export from here to Nigeria. I see. Clothing, yeah. This is the right place, Vietnam, for clothing. Yeah, yeah. Yeah. So, and my wife is Vietnamese. Oh, have perfect. Kids, so, that perfect. Is more or less my home. Like my same, second country. Same for me with China. Oh, okay. I live in China since 15 years. It's okay. I love China a lot, and my wife is Chinese also. Yeah, that's cool. Yeah, that's cool. That's the way it should be. Asia is a kind of the economy is rising, so. This is the right time to invest in Asia. Yes, exactly, yeah. Exactly. It's okay. What's all your right. name, sir? My name is Otto. Otto? Yeah. You have a German name? Yeah, because I want to be like Hitler, man. Kill everyone. Give me five. Look, it's Hitler, so cool. Hitler, Putin, Fidel Castro. Those are my role models. Xi Jinping. No, I don't like that man. You should. You don't know about it. You should go to China to check it out. No, I don't. A lot of Nigerians live in China also. I know, of course. There is a big Nigerian community over there. A lot of them live in China. In fact, some of them have lived there over 30 years that I know. So, I know. But what is stopping you? Putin. And so on, and not Xi, why not Xi? He's doing great job for China, and for the world, really. He turned Chinese economy, everything about them around. Do you understand me? Before, some years back, we know China. China is very poor, but he came in and... No, it was already before that China raised, but I think... But well, not anyway, the level they are now. Anyway, the point is not to discuss politics, but yeah, I'm very, very glad and thankful that you stopped by. Me too. All right. Walk bye in bye. Peace. Walk in peace. Yes. Oh. Bye-bye. En Asie... Même les étrangers deviennent plus sympas qu'ailleurs. On se dit bonjour dans la rue, on discute, on échange trois mots. C'est sympa. C'était comme ça en France avant. Hein. Quand Pépère m'amenait chez le buraliste, on parlait à beaucoup de gens sur la route.
Maintenant ça change. Bon, ça n'enlève pas que j'ai toujours pas trouvé un endroit où becter, moi. Faut que je mette quelque chose dans le ventre pour dormir tranquille ce soir. Je me suis levé à 3h du matin, j'ai pas envie que ça recommence cette nuit. Les anciens de tout à l'heure, ils m'ont dit qu'il y avait un resto allemand qui servait des grosses plâtrées. Mais finalement, si ça... Finalement, je me dis pourquoi pas. Moins 20, la nuit est de plus en plus présente. Oui, sushi. De hair. Ça doit être un salon de coiffure, ça vaut ça. Et je vais retourner dans la petite rue là, puis je vais me poser dans un resto où il y avait les vieux là. Parce que j'ai pas envie de marcher des kilomètres et puis que. Hello. Hi. Where are you from? From China. China, really? Look your face. No, I live in China. Okay. How are you? I'm very good. You're good, I'm good. Donc là, celui qui est au milieu qui arrive à rattraper la balle, c'est celui qui lui a donné qui doit aller au milieu apparemment. Ah. Voilà. Et du bon foot aussi. Central Market, Ho Chi Minh City, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, peut-être que c'est là qu'il faut que j'aille en fait. Ça a l'air d'être un endroit sympa, mais c'est vide là. Quel imbécile, je viens de voir quelque chose de super sympa, j'ai même pas appuyé sur record. Le chill. I'm not sure. I'm not sure. Malaysian menu. Thank you. Okay. Thank you. Maybe later. Yeah.
Ouais. Toujours pas intéressé par manger ici, bizarrement. Ce qui est énervant quand tu es tout seul comme ça, quand tu n'es pas avec un local, c'est que tu te retrouves dans les coins à touristes. Là, je passe dans cette rue où il y a que plusieurs restos. C'est tous des vieux Européens, des vieux touristes qui sont... La majorité, c'est des vieux touristes qui sont installés aux tables. Ça donne pas envie de s'asseoir. Tu ne sais pas vraiment si ce qu'on leur sert, c'est bon ou c'est juste du truc à touristes. Parce que quand tu es avec un client, quand tu es avec un local, c'est différent, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, là, on est au début de la rue des bars. On va la redescendre encore un coup. Il faut que je me trouve un endroit où manger. Hi. How are you? Fine, how are you? You want him? No, no. Not to let you through. Parle de toi ici en Indochine. C'est moi qui l'invente. Hein. T'es connu même ici. T'es connu comme le loup blanc. Et tu fais des massages de pieds. Mimi masseuse de pieds à Saïgon. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de motos. Mais ça, ça m'énerve. J'oublie d'appuyer sur enregistrer une fois sur deux. Tumulte de Saïgon.
du soir, c'est l'heure de pointe évidemment. Les gens ont fini de travailler. C'est busy, busy. Est-ce que japonais à Saigon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? On va regarder un peu la carte. Il n'y a rien qui me dit vraiment. J'ai la dalle, mais je me sens difficile sur le choix ce soir. Ça va, il y a un salon de coiffure avec des jeunes filles qui ne sont pas timides. Changes life. Faut y goûter un jour à ce coffee. Bon, là encore un sushi. Pas me faire un truc comme ça, je vais pas non plus regarder. Oh, thank you, thank you, thank you. Comme on est parti, on va traîner, on va chercher. On va finir par trouver un endroit sympa. Mais Dieu sait si j'ai la dalle. Hein. Les salons de coiffure sont sympas dans le quartier. C'est dommage, je me suis fait couper les cheveux hier. En plein que le tumulte ne me dérange pas. Il est en charge de la sécurité. C'est écrit sur son truc. Sécurité.
les gens peuvent venir. Pauvre petit vieux, il est crevé. Pas où aller me poser pour bien manger. Je prends une charge. Allez, on va aller prendre la fille. En fait, c'est même plus une foot courte, c'est devenu un bar. À force de faire des tours en rond, à faire des vides dans le quartier, je passe devant cet endroit-là. C'est ouvert. Je veux dire, c'est ouvert sur la rue, ça me plaît. Donc je vais le tenter ici. Il a l'air d'avoir des trucs de base. On va le faire ici. Votre tape pour deux pour un. Et si on reprend la carte de